Ces images ont été filmées ce matin par le drone BFM TV. Nous sommes juste au-dessus du Lez, le fleuve qui traverse Montpellier. Désormais, la décrue est amorcée, tout semble revenir dans l'ordre. Il y a encore quelques heures, ces quais étaient submergés. Le nettoyage, donc, a pu commencer à l'aide de camions et de tractopelles. L'objectif, c'est d'enlever un maximum de boue, puis la renvoyer dans le fleuve, pour dégager un maximum les caniveaux encombrés, au cas où un nouvel épisode pluvieux aurait lieu. Hier, Montpellier et ses alentours ont connu un déluge littéralement. Entre 15h et 18h, il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie, piégeant de nombreux habitants. 4000 personnes ont dû être prises en charge par les autorités. L'état de catastrophe naturelle a d'ailleurs été accordé à une 60aine de communes.